pas de louer Jésus. Comment ne pas te louer Jésus? Oh oui, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer Jésus? Oh, comment ne pas te louer Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Oh oui, comment ne pas? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Jésus, mon roi, comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'élever? S'il vous plaît, levons-nous, s'il vous plaît. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Oui, comment ne pas? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Qu'il soit glorifié. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous allons lire dans les livres des psaumes au chapitre. Psaume chapitre 91. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 91. Nous lisons la parole de Dieu. Merci Seigneur. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté
et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Mon âme bénit l'Éternel, car il est digne de louange. Ma bouche célèbre tes bontés, car sa miséricorde dure à toujours. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, quand je contemple la nature, ouvrage de tes mains, pour te louer, pour t'adorer, ô Jésus. Magnifique, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, ô Jésus. Tu es magnifique, notre Père. Tu es vraiment merveilleux. Que tu sois élevé encore aujourd'hui, mon bien-aimé Père Saint, de tout notre cœur, de nos âmes, mon bien-aimé Père Dieu, parce que tu es vraiment magnifique. Sois élevé au-dessus de tout le nom, mon bien-aimé Père Saint. Louange et honneur à toi encore pour cette journée que tu nous as donné la grâce de pouvoir avoir, mon sauveur. Jamais tu nous as abandonnés, Seigneur. Tu as toujours été présent pour nous nourrir, nous conduire en davantage et prendre soin de chacun de nous. Et ce matin aussi, nous te disons encore merci encore pour tout le soin que nous avons toujours prodigué, notre bien-aimé Père Saint. Louange et honneur à toi. Merci pour la présence de chaque frère et chaque sœur en cet endroit, mon bien-aimé Père Saint, Dieu, et ceux aussi qui sont aussi en connexion aussi, mon bien-aimé Père Saint. C'est ton peuple à toi qui soupire après toi, mon bien-aimé Père, qui désire tant, Père Tubisson, que vous encore marcher avec lui et être éclairé davantage par toi, conduit par ta main, bien-aimé Père Dieu, être nourri par toi. Toi seul, tu le connais, mon bien-aimé Père Saint, Dieu. Il a le désir que tu sois toujours son Dieu. Sois béni pour cela, bien-aimé Père Saint, parce que tu nous as fait la promesse. Merci encore pour le chant et les cantiques qui ont été chantés en ces lieux, bien-aimé Père, oh Dieu. Je crois qu'ils sont montés devant ton trône de grâce, mon roi, parce qu'avec un cœur aussi disposé pour toi, nous avons chanté, Seigneur. Merci encore pour le témoignage, chaque chose qui a été accomplie. C'est vrai, tu fais tellement de choses, mon roi. Nous voulons te dire encore merci ce matin. Continue encore d'agir encore comme tu le fais, Père, parce que nous comptons réellement sur toi, parce que sans toi, nous ne voulons absolument rien faire. Mais avec toi, nous ferons de grandes choses, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Merci encore pour nos enfants qui ont chanté encore ce matin, Seigneur Jésus, qui ont témoigné réellement aussi cet amour à ton endroit, que tu es vraiment merveilleux, Père, pour ce que tu fais parmi nous, Père Saint-Dieu, en voyant ce que tu fais au milieu de ces enfants, Père Saint, que tu sois glorifié encore ce matin. Nous te remercions encore pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour les psaumes aussi, bénémoine, Père Saint-Dieu, pour chacun de nous encore ce matin, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Il est bon de louer notre Dieu. Il est bon aussi de célébrer ses hauts faits. Parce que nous pouvons certainement dire que le Seigneur, notre Dieu, il est vivant.
Nous le remercions pour la journée qu'il vient de nous accorder aussi et la grâce de pouvoir nous retrouver ensemble dans cet endroit afin que tous ensemble nous puissions élever aussi nos voix devant son trône de grâce pour les célébrer, les glorifier, l'adorer et lui dire aussi combien nous l'aimons. Car il est bon et bien de louer l'Éternel notre Dieu pour ce qu'il ne cesse de pouvoir accomplir effectivement parmi nous. Et comme aussi David l'a dit, c'est vrai que quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, nous pouvons voir qu'effectivement que le Seigneur fait de merveilles. Il continue certainement à pouvoir le faire. Et c'est aussi à nous de pouvoir réellement aussi prendre en considération chaque chose que le Seigneur, notre Dieu, met aussi à notre disposition par sa façon de pouvoir faire pour nous permettre aussi de pouvoir avancer de la manière telle que nous puissions atteindre effectivement la destination pour laquelle le Seigneur, notre Dieu, nous a appelés. Et cela me rappelle aussi une des questions que notre frère Ogolo m'avait donc posé en tout en parlant, effectivement, et que Dieu soit béni. Il est Dieu dans sa manière de pouvoir faire les choses, et surtout aussi pour nous, que nous puissions aussi réaliser davantage ce que le Seigneur, notre Dieu, veut avec nous, ce qu'il veut réellement faire, et ce qu'il veut aussi arriver à pouvoir aussi accomplir profondément dans chacun de nous, effectivement. Je le remercie de tout mon cœur aussi pour ce qu'il a fait pour notre sœur Tryphonie. Que le Seigneur soit béni. Notre sœur va tellement très bien. Et nous remercions Dieu pour ce qu'il a eu à pouvoir faire. Que son Saint-Nom soit béni. Notre frère, certainement, comme je le disais tout à l'heure, il posait la question en rapport avec l'appel. Et effectivement, quand on lit dans les Saintes Écritures, effectivement, en rapport avec l'appel de Dieu. Et cela, effectivement, pour tout un chacun de nous d'une certaine manière ou d'une autre. Juste simplement, en bref, c'est pour que nous aussi nous comprenions que notre Seigneur et notre Dieu, lorsqu'il fait quelque chose et aussi quand il exprime aussi les choses, il peut l'exprimer dans une dimension petite, mais qui va aussi dans une grande dimension aussi. Mais il faut que nous comprenions ce que cela veut dire. Et vous remarquerez très bien que dans le Saintes Écritures, je crois que c'est dans l'Éphésiens au chapitre 4, le verset 1, et qui nous montre clairement ce que c'est Dieu veut effectivement de chacun de nous, effectivement, et la manière dont le Seigneur voudrait que ce qu'il a désiré, ce qu'il désire effectivement, qu'il puisse l'atteindre au travers de ceux-là qui ont été donc aussi touchés et surtout aussi saisis par le Seigneur. Et là juste simplement, c'est parce que le frère avait, c'est ça qui me revient juste pour que je lise, je vais simplement lire, ne vous inquiétez pas, je vais simplement lire cela, dans le livre des Éphésiens, au chapitre 4, le verset 1, vous pouvez, il dit, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Donc, effectivement, quand on parle de la vocation, effectivement, c'est que ça vient donc du latin. Bah, évidemment, c'est pas... Et la vocation, c'est-à-dire que ça veut dire que c'est l'appel. Alors, il y a bien l'appel que le Seigneur a adressé. Et comme cela était, en fait, ce que nous pouvons comprendre que... Et c'est merveilleux quand même, mais je pense pas que je dois rentrer là-dedans, quand même lire. Alors, regardez très bien, il dit donc, à marcher d'une manière digne, donc, de la vocation qui vous a été donc adressée. Et maintenant, la question de pouvoir se reposer aussi, avoir savoir si on a dit que c'était la vocation, non, c'est l'appel, mais ça a été adressé à qui? En fait, c'était pas seulement à une personne. C'est adressé effectivement à tout un chacun, effectivement, dont le Seigneur a eu à pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a l'appel au ministère qui est différent de l'appel que nous lisons ici. Parce que c'est vrai que quand on parle appel, donc il y a l'appel, et quand comme on appelle quelqu'un à un ministère, ben, c'est un appel tout à fait spécifique et particulier dans le contexte dans lequel Dieu l'a fait. Mais ici, par exemple, ça dit que l'appel est adressé au peuple de Dieu. Et si Dieu adressait un appel au peuple de Dieu, c'est que spécifiquement aussi, le peuple de Dieu doit avoir effectivement aussi
la raison pour laquelle Dieu les a appelés. Pourquoi Dieu vous a appelés? Parce que si, c'est comme aussi un homme qui reçoit l'appel de Dieu. Il doit aussi connaître aussi la teneur de son appel. Mais maintenant, si nous sommes appelés par Dieu, parce que Dieu nous a appelés en tant que son peuple. Et si nous sommes le peuple de Dieu, c'est ce que nous cessons de pouvoir quand même le redire, le répéter encore. Si nous sommes le peuple de Dieu, nous ne sommes pas des gens désordonnés. Ah non, 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 non. Nous ne sommes pas des gens désordonnés. Vous savez, vous allez comprendre cela. Dans les livres, je pense peut-être probablement des Ésaïe, quelque part, je ne sais plus très bien, mais je pense que cela, Ésaïe, en réalité, effectivement. Tenez-moi voir, je pense à Ésaïe au chapitre 55, je suppose. Nous allons peut-être l'examiner, et puis bon, nous allons prendre ce que nous devons dire donc ce matin, si le Seigneur nous accorde ce qu'il désire, effectivement, voilà. Ah, si ça, cela, mais... Bon, ce n'est pas dans le 55, c'est quelque part effectivement où le Seigneur, lorsqu'il dit vous sortirez effectivement, il a dit mais vous ne sortirez pas avec précipitation parce que moi je serai au devant de vous. Nous le lirons peut-être effectivement aussi quelque part, mais je crois que je vais trouver. Vous inquiétez pas, ce qui était passé, nous aurons l'occasion. Donc effectivement, nous voyons comment le Seigneur lui-même a eu à pouvoir faire effectivement. Il n'a pas fait sortir son peuple dans le désordre, c'est toujours en fait dans l'ordre. Et lui, il est toujours ce tenant-là pour pouvoir conduire. Ça veut dire qu'effectivement, que lorsque ce peuple est sorti, très sincèrement, il savait réellement pour quelles raisons ils étaient sortis et de l'endroit dans lequel ils se trouvaient, c'est-à-dire ils étaient dans ce territoire-là, ils n'étaient pas tellement très bien en fait. Jamais ils se sont sentis comme des Égyptiens. On les a toujours montré que vous êtes différents. Vous n'avez rien à voir avec nous, hein, le peuple de Pharaon, donc nous, les maîtres que nous dominons sur vous. Donc ils se sentaient toujours esclaves. Donc étrangers dans cet endroit dans lequel ils étaient. Et quel était le cri de leur soupir tous les jours? Oh Dieu d'Abraham, délivre-nous de l'esclavage dans lequel nous sommes. Ils savaient qu'ils étaient esclaves. Et s'ils criaient vers le Dieu d'Abraham, effectivement, c'est parce qu'ils se sont souvenus que là, il y a eu une promesse quelque part. Auquel, effectivement, c'est Dieu qui a parlé à Abraham, effectivement, qui lui a donné la promesse, effectivement. Il lui avait dit, il dit, ta descendance à toi sera étranger. Et cela a servi, il dit, Seigneur, nous crions à toi, nous voulons sortir. Et nous sortons pour aller où? Alors ce même Dieu avait fait la promesse à Abraham. Il se souvient hein, que si nous sortons d'ici, alléluia, nous avons un chez nous. Amen. 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 Donc, ils étaient conscients de leurs conditions, de ce que ils étaient dans un état pas tel que Dieu le voulait. Parce qu'il n'était pas libre de pouvoir faire ce qu'il fallait faire. Mais quand il devait bouger, il y avait les maîtres qui frappaient. C'est-à-dire que pour manger, même pour leurs enfants, on devait faire la limitation de naissance. Ben oui, parce que vous vous souvenez quand même, c'est comme ça que la maman de Moïse a pu mettre son bébé. Parce que tout enfant qui naissait, ah ben, Pharaon avait décidé qu'effectivement qu'on puisse arriver à pouvoir éliminer. Vous vous souvenez? C'était ça. Ce n'est pas aujourd'hui que la limitation de naissance a commencé, c'est toujours. Toujours, vous voyez que ça n'a jamais été le peuple de Dieu qui limitait la naissance. Hein. Ça, vous comprenez. Donc, c'est venu depuis Pharaon. C'est toujours comme ça, Dieu n'avait pas limité. Jacob a même eu 12. C'est merveilleux. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'il y a des choses qui viennent du paganisme qu'on ne doit pas garder. Nous sommes le peuple de Dieu, si nous le sommes, hein, parce que c'est ça le problème, parce que nous sommes le peuple de Dieu, alors il y a des principes qui, au-dedans de nous, effectivement, qu'on ne peut pas admettre. Ok.
Amen. Que Dieu te bénisse. Donc, ce qui veut dire que nous avons une façon de pouvoir voir, pas qu'on nous oblige, mais en fait, les gens en nous, nous savons que depuis nos pères, ça a toujours été comme ça. Merci, mon frère. Oh, j'aime mon frère. Et c'est Zaché, que Dieu te bénisse. Ça. Nous lisons l'écriture qui vient de me donner, Ésaïe 52, à partir du verset 12. Et mon précieux frère Zaché, que le Seigneur te bénisse richement. Et voilà. Et voilà. Merci beaucoup. Le verset 11, il dit, « Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez le vase de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous. Le Dieu d'Israël fermera votre marche. » C'est cela. Donc, effectivement, nous comprenons qu'il ne fait pas des choses, effectivement, comme les gens peuvent le faire. Lui, il fait toujours des choses avec l'ordre. Et ça, c'est aussi la manière dont son peuple doit être. Et comme nous le disons, effectivement, et c'est sûr et certain que... Il pouvait comprendre qu'effectivement que le temps est là, c'est que nous sommes pas chez nous ici, nous sommes des étrangers. Évidemment, notre place n'est pas ici, Dieu soit béni. On ne peut pas se sentir à l'aise. Hein? Vous savez, c'est parce que ce peuple avait quelque chose de la part du Seigneur. Ils n'étaient pas à l'aise dans leurs conditions. Ils ne pouvaient pas manger comme les Égyptiens mangeaient. Non, parce que d'abord, les fous étaient là, la vasie des métiers étaient là aussi, effectivement. Donc, ils avaient, même pour pouvoir manger, c'était pas facile. Parce que c'était des esclaves. Et ils ne pouvaient pas arriver à pouvoir prendre plaisir aussi à la vie. Est-ce que vous comprenez? Ah non, parce qu'ils ne peuvent pas jouir de leur vie. Ils sont esclaves. Ils ne peuvent que faire que ce que le patron dit de faire. Alors, prisonnier du patron, parce que tu ne peux rien absolument. Donc, tu es toi-même esclave, ta femme esclave, tes enfants aussi esclaves, tout ce que tu as comme postérité, toujours esclave. Pas de liberté. Alors, comment voulez-vous prendre plaisir? Oui, ils ne se plaisaient pas dans le monde dans lequel ils étaient, effectivement. Ils soupiraient après quelque chose. Ils ne soupiraient pas après un endroit historique, effectivement, ou imaginaire. Non. Ils avaient déjà la certitude qu'effectivement qu'il y avait un endroit. Parce que pour qu'ils puissent être dans la condition d'esclavage là, c'est qu'il y avait eu quelque chose qui avait déjà été au départ. Donc ils étaient certains qu'ils ne sont pas venus du vent, mais ils sont nés de quelqu'un. Et de ce quelqu'un-là auquel ils sont donc descendants, ils savent effectivement qui est-il. Vous voyez, c'est qu'ils étaient dans la réalité de la chose, mais pas dans l'imagination de la chose. Parce qu'ils savaient qu'Abraham a existé. Parce que s'il n'avait pas existé, ben je ne serais pas ce que je suis. Ils étaient la postérité d'Abraham. Ah, ça c'est merveilleux. Et c'est vrai. Ils étaient smart. C'est pour ça que quand ils étaient là-bas, ils savaient qu'un jour, quelque chose allait se passer. S'il vous plaît, frères et sœurs. Vous comprenez bien que ce peuple était le peuple de Dieu, puisqu'ils étaient effectivement aussi ce peuple, c'était la postérité de cet homme auquel Dieu avait fait la promesse pour sa descendance. Donc, ils étaient là, sachant effectivement d'où est-ce que leur origine, effectivement, et, hein, comme le Seigneur dit, mais je vous ai trouvé comme là. Enfin, bon, bref, leur origine et aussi la raison pour laquelle ils se sont trouvés dans cet endroit, dans quelles conditions, quelles circonstances. Dieu est tellement parfait parce que quand il a dit à Abraham que ta descendance sera donc étranger dans un pays, et sera donc opprimée, ainsi de suite, vous vous souvenez, et si vous remarquez très bien, frères et sœurs, qu'il n'en avait même pas encore. Genèse 15. Quand Dieu a dit à Abraham, effectivement, que voici, ta descendance sera dans un pays étranger, ils seront asservis, ainsi de suite, effectivement, mais il n'avait même pas une goutte. Même pas, parce qu'il venait de sortir chapitre 11. Et puis, sa reine était toujours stérile. Et il n'avait rien. Donc, rien. Eliezer était simplement, c'est un travail qui était là, fait. Donc, vous connaissez cela. Et lui dit,
Je donne, il lui a montré d'abord le territoire des Amoriens, des Byzantins. Je donne tout ça jusqu'au fleuve, effectivement, à ta descendance. Est-ce que nous avons parlé de toi? Mais Dieu est tellement extraordinairement merveilleux. Il parlait de ce qu'il n'était même pas. Qu'elle était là. Regardez comment Abraham, c'est merveilleux cela. C'est Dieu, il a parlé de ses descendances qui n'étaient pas palpables. Mais il parlait de promesses qu'il fait à cette descendance, effectivement, mais avec une telle fermeté. Pour montrer à Abraham quoi que. Mais je suis sûr de ce que moi je te dis. C'est ce qu'il fait aussi avec toi, frère, ça. Dieu n'est pas un historien. Non. Dieu est toujours dans la réalité, mon frère. Il dit, mais ta descendance. Il dit, mais il est où? Mais j'étais posé la question. Tu peux compter les étoiles du ciel? N'est-ce pas vrai? Il lui dit, mais telle sera ta postérité. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur d'Abraham? Effectivement, il dit, mais Abraham crut, mais 100%. Pas comme nous dit, ah, gloire à Dieu, parce qu'on dit que Dieu est capable, mais ce que c'est, amen. Non. La Bible dit qu'Abraham crut. Et ça lui fait un putain. Il a vraiment cru sincèrement que non, ça c'est vrai, je l'aurai comme cela. Et puis bon, et j'ai toujours eu à pouvoir dire, c'est là le miracle de Dieu en fait. Pour toi et pour moi aussi. Qu'un homme seul puisse croire qu'il va avoir la postérité comme les étoiles du ciel. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose de tout à fait particulier dans un homme pour passer à la dimension naturelle et arriver à cette dimension surnaturelle. Et il a cru. C'est comme ça que Dieu a commencé à parler avec Abraham sur sa postérité, effectivement, sans qu'elle soit là. Et Abraham croyait. C'est comme ça que Dieu va traiter avec toi, mon frère. Si déjà, dans des choses, tu ne veux pas croire, comment Dieu va te parler de le ciel, puisque tu ne crois même pas qu'on est petite. Il va aller avec toi pour te dire, voici, le royaume est comme ça. Il ne va pas le faire. Amen. Non, tu le freines toi-même. Amen. Abraham a cru à ce que nous appelons, effectivement, si l'impossible. Maintenant, Dieu dit, mais je vais te montrer en fait, que c'est la réalité. Il vient vers Abraham, il lui parle naturellement, mais avec assurance. Il dit, mais cette postérité que tu as cru là, je vais t'éprouver dans tes guerres, et sera là. Parce que ce territoire de là à là, Dieu soit béni. Amen. Je te le donne. Je donne à ta postérité. Et puis, je vais te dire maintenant comment cela va se passer. Pour que tu, parce que j'ai vu que ta foi est vraie. Amen. Que tu me crains, que tu m'honores, tu me respectes. Je vais te dire maintenant ce qui va arriver avec la postérité. Gloire à Dieu. Quand tu crois, Dieu fortifie ta foi. Mon frère et ma soeur, crois simplement. Les autres choses, c'est vrai, il faut d'abord que tu commences. C'est pour ça qu'on dit que la foi vient de ce qu'on entend. Si Dieu te parle d'abord, et puis tu dis alléluia, c'est vrai, alors accroche-toi. Quand tu t'accrocheras, il va continuer. Parce que ce qu'il veut, c'est que ta foi soit ferme. Parce que c'est un don qui vient de Dieu. Ou que nous croyons les choses que le naturel ne peut pas croire. Mais c'est là que toi, tu ne fais pas très attention. Parce que bon, les choses sont tout à fait mélangées. Mais il veut simplement que tu vois clair, afin de pouvoir aussi te certifier ce qu'il en est aussi avec lui. Et voilà que lui dit, ta descendance sera donc asservie dans un pays étranger. Voilà comment les choses vont se passer. Et puis il dit, moi ici, je jugerai la nation à laquelle ils seront donc asservis. Asservis, ça veut dire l'esclavage. Hein? Et puis je vais la juger. Non, Dieu est bon, vraiment, c'est extraordinaire. Mon frère et ma soeur, il faut que nous comprenions ceci, que, comme nous en avons entendu, je pense, jeudi, ou je ne sais pas, oui. Quand Dieu t'a choisi, l'élection de Dieu, il n'y a pas d'erreur. Non. Dieu n'a pas fait l'erreur en te choisissant. Tu peux avoir beaucoup de défauts. C'est ça la chose que toi et moi, nous devons comprendre pour que lorsque nous louons Dieu, nous le remercions de tout notre cœur. Et de là, nous pouvons aussi comprendre en disant, Seigneur, ce n'est pas par ma force. Comment je peux détester mon frère?
Comment je peux parler du mal de ma soeur? Comme si moi je suis le seul pur, le seul bon. Jamais, Seigneur. Parce que c'est par ta grâce. Là, on comprend maintenant l'importance de la grâce. La grâce divine de Dieu a fait de moi ce que je suis. Alors, Seigneur, fais aussi grâce à mon frère. Fais aussi grâce à ma soeur. Alléluia. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. La grâce de Dieu nous ramène encore à l'humilité. À la compréhension et à la foi de l'amour que Dieu a à mon endroit. Sur la terre, Seigneur, il y en a des gens qui ont fait, qui sont meilleurs que moi. Oui. Il y a dans les monastères des dames qui sont devenues, c'est des femmes, comme on l'appelle, je ne sais pas moi, des chanones ou des gens. C'est tellement très bien, à force d'être enfermés, puisqu'ils veulent prier. Ah oui, depuis des années, ils ont même fait ce qu'on appelle des vœux, de, je ne sais pas comment ils appellent. Hein? Jamais me marier, jamais regarder un homme, jamais tout ça. Moi toujours tête baissée. D'autres même qui, l'autre chien s'est même enfermé dans une pièce. Jusqu'à sa mort. Ah oui, il y a des choses qui se commettent dans le couvent, mais enfin. Ah oh, je sais pas moi. Ces gens-là, ils prient aussi jour et nuit. Mais Dieu ne s'est pas adressé à eux. Mais Dieu s'est donné la peine de s'adresser à toi. Quand tu t'aurais dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai? Ma vie n'est pas propre. Mais il t'a plu à toi de me choisir. Ah oui, ma soeur, ça on peut le dire. Alors quand tu chantes, tu dis, il est bon, tu le crois. Que vraiment, il est bon. Il est bon de louer Dieu, il est bon de les célébrer, il est bon de les glorifier. Ah, c'est pour ça qu'on nous dit, oh, car ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent. Parce qu'il veut nous parler de ces dieux, comment il est. C'est merveilleux, ça, c'est parce que, ah oui, parce qu'ils l'ont rencontré aussi. Et c'est la grâce que nous avons ainsi. Donc, il dit bien à Abraham, il dit, mais... ta postérité, certainement, ben, je jugerai la nation à laquelle ils seront donc asservis. Et ils sortiront. Ils sortiront par les mains vides. Voyez-vous, mon frère et ma soeur, Dieu a une sagesse extraordinaire. Alors, vous comprenez bien, très bien, c'est pour ça qu'il faut connaître Dieu, parce que c'est important. Il a ses principes. Il dit, mais tout ouvrier, même les mercenaires, mérite son salaire. Suivez. Bien sûr que oui. Mais les enfants d'Israël, ils ont été esclaves. Ils ont servi les Égyptiens. Dieu est juste. Hein? Ils ont servi les Égyptiens. Les Égyptiens ne les ont jamais payés. Il dit, c'est mon esclave. Il dit, ton esclave. Fait. Il a fait. Mais quand même un travailleur, il doit avoir un salaire. Évidemment. Évidemment. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils ont travaillé pendant des années, même les pères et les grands-pères. Maintenant, il faut un remboursement. Ah oui, de ce que mes arrières ont travaillé. C'est parce que nous, la génération, nous sortons les autres qui sont déjà morts, effectivement. Vous comprenez? Ils ont travaillé aussi. Donc, c'est comme, je donne un exemple, j'extrapole un peu. Hein? Quand vous avez des parents qui ont travaillé, et puis les parents sont allés, et partis, effectivement, mais vous qui restez, mais ben, la compagnie doit quand même payer ce qui était les parents aux enfants, quand même. Enfin, nous voyons qu'avec d'autres dieux, c'est comme ça. Évidemment, frères et sœurs, les Égyptiens disaient qu'ils vont travailler pour nous gratuitement, on domine les Égyptiens, il n'y a pas de problème, faites ce que vous devez faire. Et à la fin, la facture est sortie. Moi, les maîtres, moi, je dis, toi, les maîtres, il dit, la facture est là. Ah ben oui, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont même dit, mais, allez, demandez des vases, faites, oui, oui. Demandez ce que vous voulez. Oui, bien sûr. Et ils sont allés. Les Égyptiens avaient peur. Ils ont tout donné. Les vases d'or et d'argent. Ils disent, non, c'est la paye. Amen. Tu m'as tellement fouetté. Tout ça, tout ça, tout ça. Tout ce que tu as là, c'est grâce aussi à moi. Alors paye-moi. Et on les a payés. On les a donnés. Prenez, prenez, prenez. Et oui, les dieux veillent. Vous avez souffert.
La paix jouit. C'est pour ça, frères et sœurs, peu importe la situation. On peut vous priver de ceci et de cela. N'oubliez pas, quand vous avez souffert à la suite de ton front, tu dois gagner. On vous restituera même ce qu'on a retenu. Oui, frère. Oui, frère. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas un petit Dieu. C'est un Dieu qui veille. On vous a volé. On vous a escroqué. Ça reviendra. Oui, monsieur. C'est pas pour rien que Dieu parle de la restitution. Le diable vous a volé la santé. Il doit restituer. Frères et sœurs, c'est la vérité. C'est la loi de la restauration. Tu dois restituer. Gloire à Dieu. Bien sûr, parce qu'il a payé pour cela. C'est ça, mon frère. Mais oui, il a payé pour tout. Merci. Alléluia. Vous connaissez la loi de la rédemption du rachat? Quand j'ai tout perdu, maintenant j'ai un grand frère. Oh. Il a tous les moyens. Il vient maintenant chez toi. Qu'est-ce qu'il a payé chez toi? Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris ça, il a pris ça. Non, 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 non. Donc, il te doit quoi? Donc, il me doit ça. Alors, le diable avait posé là-bas plus haut. Il dit, non, il ne pourra jamais sortir. Il dit, mais pourquoi? Parce qu'il me doit. Qu'est-ce qu'il te doit? Il me doit sa vie. Il dit, il te doit sa vie. Moi, je suis là. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, je suis là. Mais tu es là pourquoi? Pour payer. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Jésus le Christ a tout payé. Gloire à Dieu. Oui. Oui. Gloire au Seigneur. Alors nous pouvons chanter, frère, qui nous a libérés. Il a payé le prix. C'est pourquoi, frère, c'est pourquoi, ma soeur, nous ici, la terre ne peut plus nous retenir. Gloire à Dieu. Le prix a été payé. La mort ne peut plus nous retenir. Lorsqu'il vient, nous partons. Gloire à Dieu. Oh, frère. Ce que le Seigneur a fait pour toi. Gloire à Dieu. C'est tellement plus grand qu'aucun homme, aucun ange, aucun esprit ne peut plus rien faire, mon frère. Alléluia. C'est au-delà même du prix. Gloire au Seigneur. Il a payé le prix. Toi et moi, nous devions mourir. Satan dit, je suis assis. Il dit, alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il est vivant. Il n'a pas changé. C'est sûr et certain. C'est pourquoi la Bible dit, quand Christ notre vie, alléluia, viendra, nous partons. Mais c'est sûr et certain, la mort n'a plus de pouvoir. Lève-nous. Il ne m'a jamais laissé, je ne m'a jamais laissé, il ne m'a jamais laissé. Depuis que je crus en toute sa parole, il ne m'a jamais laissé, il ne m'a jamais trahi. Il ne m'a jamais trahi.
c'est là que te descend sa bénédiction.